comme un fidèle au poste. On va se refaire le coup d'une astuce en une minute, si vous le voulez bien, ce soir, depuis le magasin des Fitech. Et on va s'intéresser aux produits de lessive, finalement, avec vous. Tout à fait. En fait, j'avais envie de parler des lessives de votre lave-linge et des lessives liquides. Alors, les nouveaux appareils sont de plus en plus économiques en eau. Ils prennent donc de moins en moins d'eau et les produits sont de plus en plus gras. Alors, vous avez certainement vu cette pub passer où il parle de produits pour nettoyer l'intérieur de votre lave-linge. Donc, vous devriez dépenser de l'argent pour nettoyer votre lave-linge, qui est un petit peu aberrant. Alors, la première chose à faire, c'est qu'il faut diluer ces lessives liquides avec de l'eau. Mettre plus ou moins un tiers, deux tiers. Alors, ça aura deux conséquences. La première, c'est qu'on achètera un petit peu moins de produits. Il n'y a pas besoin d'autant de produits. Il faut bien distinguer fabricant d'appareils et fabricant de lessive liquide. Il y en a un qui a quand même envie de vendre son appareil, l'autre qui a envie de vendre ses produits de lessive. Et aussi, et surtout, ça évitera que les machines aient une mauvaise odeur à l'intérieur, en fait. Cette odeur d'essuie mouillée, recroquevillée qu'on a, la machine sent vraiment très mauvais. Donc, grâce à ça, vous aurez en fait moins d'odeur dans la machine. Gardez vos bidons, faites des mélanges avec les bidons vides et surtout en fait vérifiez quelque chose de très important. Le tiroir, le bac à lessive liquide, le bac à poudre, s'il devient noir, c'est qu'il commence à avoir du pourri dans la machine. Et donc la technique pour la nettoyer, 90 degrés, une fois tous les 15 jours, c'est super important, soit à vide, soit vous mettez vos torchons et vos serpillères, sans ajouter de savon, et la machine va se nettoyer de l'intérieur. Ces petits gestes qui peuvent vous changer la vie, merci Thomas d'avoir été avec nous ce soir, j'ai l'impression qu'on aura fait le tour du magasin à la fin de la semaine. À chaque fois Thomas... Non, mais moi je mets toujours tout un capuchon de produits, j'en mets beaucoup trop quoi. Mais oui.